Les médias, qu'ils soient traditionnels ou numériques, sont essentiels pour diffuser des informations sur le cancer du sein. Des émissions de télévision, des articles dans les journaux et des publications sur les réseaux sociaux fournissent des données sur les risques, les symptômes et les méthodes de dépistage. C'est ainsi que des campagnes sur des chaînes de télévision nationales ont augmenté la visibilité du dépistage, incitant les femmes à prendre rendez-vous pour se faire examiner. Les médias partagent également des témoignages de survivantes du cancer du sein, ce qui humanise la maladie et touche le public. Ces récits personnels, souvent diffusés dans des documentaires ou des interviews, aident à briser le tabou autour de ce cancer qui accable de nombreuses femmes par année. En présentant des histoires inspirantes de guérison, les médias encouragent les femmes à parler de leur santé et à ne pas négliger leur dépistage. Ces témoignages montrent que le cancer du sein peut être combattu, ce qui motive d'autres femmes à se faire dépister. Par ailleurs, les médias jouent également un rôle actif dans la promotion d'événements caritatifs liés à Octobrose, tels que des marches, des courses et des collectes de fonds. En couvrant ces événements, ils créent un sentiment de communauté et d'engagement autour de la cause. En impliquant les experts de santé qui répondent aux questions du public sur le dépistage, cette visibilité contribue à renforcer la sensibilisation et à mobiliser des fonds pour la recherche et le soutien aux patientes. Durant ce mois d'octobre dédié à la campagne contre le cancer du sein et du col de l'utérus, chaque acteur a un rôle à jouer en commençant par la communication, en informant, en partageant des témoignages et en se mobilisant autour d'événements. Les hommes et femmes de médias contribuent à sauver des vies et participent à l'évolution de la prise en charge des malades. En ce mois d'octobre, il est crucial que chacun prenne conscience de l'importance du dépistage précoce et agisse en conséquence.